Tendre Père, Heavenly Father, en ce matin, in this morning, nous t'invoquons. We welcome you in this place. Nous t'invitons parmi nous. We invite you in this place right now. Prends le contrôle de toutes choses. Take control of everything that we happen here. Dirige toutes nos pensées. Direct our mind towards you. Viens siéger sur l'espace de nos cœurs. Come and take the seat on our heart. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, avez-vous retenu le thème de la journée ? Femme, révèle-toi. Voilà. Et nous, nous faisons partie de l'équipe de du ministère de la famille. Et en plus, ce matin, il y a une décoration tout en rose. Alors, cela nous a inspiré un poème en guise de bienvenue. Alors, nous vous demandons d'être indulgents, car c'est un art que nous n'avons pas l'habitude d'exercer. Donc, voilà. En tout cas, c'est fait avec le cœur. Puisque Dieu l'a décidé ainsi, vous êtes les visiteurs. Croisez le chemin, croisez le chemin de nos vies. Et comme un souvenir agréable, vous êtes tous les bienvenus dans nos esprits. Comme un ange innocent, t'aimer est une source de bonheur. Comme un prince charmant, comme un courageux vétéran, tu es l'homme de ma vie. Comme un joli paysage dans les collines, comme de si nombreuses fleurs enracinées en Christ, vous êtes les bienvenus parmi nous. Alors, nous n'oublions pas non plus ceux qui sont sur le net. Alors, l'Assemblée et nous-mêmes, nous vous souhaitons la bienvenue. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Bien, super. Tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne semaine. Ça va, grâce à Dieu. Pour nous, ça a été un peu de tout, hein, des hauts, des bas, un peu de tout. Mais on remercie Dieu parce que, quoi qu'il en soit, en fait, on se rend compte que nous sommes à l'abri de ses ailes. Est-ce vrai ? Qu'il est notre sauveur, qu'il prend soin de nous et qu'il nous fait du bien à chaque instant. Alors aujourd'hui, on va simplement chanter trois chants différents qui veulent le premier pour bénir le nom de notre Seigneur, pour le remercier pour sa fidélité, le fait qu'il soit notre bouclier à chaque instant, et les autres chants pour chanter son amour. Béni soit le nom du Seigneur. Nous vous invitons à chanter à haute voix de tout votre cœur ce moment de louange. Chaque jour je chante.
D'amour. Tout près de toi.
Amen. Est-ce que vous comprenez à quel point notre Sauveur Jésus veut nous entourer de ses bras d'amour? Je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter ce chant. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Jésus, ô Jésus, remplis-nous de toi. Entouré de ses puissants bras d'amour, lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guérira. Jésus, oh Jésus, de toi. Jésus, ô Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, ô Jésus, Jésus. Pendant que nous sommes dans cette atmosphère de présence d'amour de Dieu, eh bien, avant de nous prosterner pour continuer dans cette adoration, Michée, ce texte que le Saint-Esprit a inspiré dans Michée chapitre 7 et au verset 18, ce qui suit, qui dit: quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous. Il piétinera nos fautes et tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham,
car tu l'as juré à nos ancêtres autrefois. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Ceux qui le peuvent, fléchissons les genoux devant Dieu ensemble. Oui, ô Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous voici, Seigneur, tes enfants devant ton trône, en cet instant parce que tu es descendu parmi nous. Merci, ô tendre Père céleste, pour tant d'amour manifesté pour nous. Ô quel Dieu qui est comme toi. Nul n'est semblable à toi. C'est pourquoi dans les cieux, Seigneur, tu es élevé, tu es adoré, tu es exalté. Et ici-bas, comme disait David, oh, il y a beaucoup de joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Et c'est cela, Seigneur, dont en ce moment nous bénéficions de ta sainte présence. Oui, Dieu qui vit dans la sainteté, dans la pureté. Seigneur, ce sont des lèvres impures qui s'approchent de toi. Des hommes et des femmes que tu as rachetés, mais qui est souillé, mais qui se présentent tels que nous sommes devant le grand Je suis. Ô Éternel des armées, parais et merci pour ta présence au sein de ton peuple. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'offrir un culte d'adoration à l'unique Dieu qui est au-dessus de tous les dieux de cette terre. Et c'est pourquoi nous fléchissons les genoux devant toi. Car toi seul mérites la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité et la bonté à ton égard. Ô Dieu d'Israël, quand nous voyons tant de bienfaits que tu nous as accordés, Seigneur, nous ne pouvons les compter. Ces multiplicités de bénédictions de tout genre, même des fois les difficultés, c'est une bénédiction. Ô Dieu, merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé dont tu nous as donné à une partie. Merci encore, ô Dieu, pour Jésus, notre Sauveur, qui jour et nuit intercède pour son peuple. Seigneur, je n'arrive pas à comprendre. Nous, nous dormons, mais toi, tu ne dors pas. Jour et nuit, tu ne cesses de prier pour que ton peuple arrive à la maturité dont tu veux que nous y soyons. Mais avant tout, Seigneur, quand nous voyons tant de bienfaits, nous péchons, nous continuons à pécher, Seigneur, en pensée, en parole, en action. Nous vivons encore des fois dans la chair. Nous n'arrivons pas encore à être détachés de la chair pour que nous vivons par l'Esprit. Ô Dieu d'Israël, ayez pitié de nous en ce matin. Efface nos transgressions comme les nuages quand tu les effaces dans les cieux. Seigneur, de même que tu as dit, tu vas prendre nos péchés, tu vas les jeter au fond de la mer. Alléluia. Seigneur, oui, pardonne-nous en ce matin. Libère-nous de toutes nos transgressions, quelles qu'elles soient, afin que rien ne fasse obstacle avec nos cœurs, cœur à cœur, en ce sabbat, dont tu veux communier avec nous, nous remplir de ton amour. Ô Dieu, tu veux que nous arrivions à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons t'aimer, avoir cet amour agapé. Ô Dieu, aie pitié de nous. N'entre pas en jugement avec nous. Et comme le chant disait, Jésus, par ton sang précieux, lave nos iniquités. Blanchis-nous et que permet que le culte que nous t'offrons arrive devant ton trône. Nos chants, nos louanges, nos prières, tout Seigneur, sanctifié par les mérites de Jésus, par son sang, que nos actions de grâce arrivent devant ton trône. Et qu'en retour, les bénédictions en abondance jaillissent sur ton peuple.
Oui, Seigneur, ton peuple est venu pour t'adorer. Des familles, des frères, des sœurs, des célibataires. Il y a tout un panoplie devant toi, Seigneur, en ce matin. De ceux qui sont venus chargés, ceux qui sont venus avec le cœur froissé, brisé. Mais nous te bénissons, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui panse les blessures. Ô Dieu, étends ta main sur ton peuple dans ces temps où nous souffrons de toutes gens. Mais nous te sommes vraiment reconnaissants. Nous savons sur qui nous pouvons nous appuyer. Alléluia. Car tu es une forteresse. Tu es un refuge. Tu es un abri. Tu es vraiment, Seigneur, quelque chose de solide sur qui nous pouvons compter. Seigneur, nous avons ce sabbat de famille. Et voici les familles qui sont venues pour t'adorer. Ils sont venus pour t'apporter leur reconnaissance. Il y a de ceux qui viennent t'apporter leurs soucis, leurs peines et toutes leurs difficultés. Mais nous savons que les difficultés sont rien pour toi, Seigneur. Alléluia. Ce que tu veux, c'est nos cœurs. Seigneur, viens, prends possession de nos cœurs et change nos cœurs afin que nos familles soient meilleures. Alléluia. C'est possible, Seigneur, de toucher le cœur, nous qui sommes maris, de toucher les cœurs, nous qui sommes les sœurs, et que notre vie soit changée. Ô Seigneur, bénis les familles. Il y a de ceux qui viennent d'être mariés, que tu les protèges, que tu les bénisses. Il y a de ceux qui préparent pour devenir aussi pour être mariés, que tu prépares toutes choses et que tu les bénisses aussi. Ô Père, merci de bénir ton Église dans sa totalité. Seigneur, tu as appelé ta servante. Merci, Seigneur, que ton Esprit Saint l'anime. Que ton Esprit Saint, Seigneur, prend possession d'elle, mais aussi, Seigneur, sa traductrice, afin que d'autres personnes entendent dans leur langue ce message, Seigneur. Que ton nom soit glorifié de pouvoir les dons à ton Église. Que l'Éternel nous bénisse en ce matin. Et que ceux qui ont apporté la dîme et les offrandes, ô Dieu, que tu bénisses ces fonds. Il y a de ceux qui veulent travailler, qui n'en trouvent pas. Ô Dieu du ciel, ouvre-leur des portes afin qu'ils trouvent du travail et participent aussi au salut des âmes. Que l'Éternel tourne sa face et que l'Éternel nous bénisse au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous passons au moment du ramassage de la dîme et des offrandes. Dans le livre des Proverbes, il y a un conseil qui est donné. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et pour donner suite à ce conseil, Salomon ajoute « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Proverbe 3, versets 9 à 10. Quand nous reconnaissons Dieu dans toutes nos voies, cela inclut chaque aspect de notre vie. Nous désirons lui plaire parce que nous savons qu'il a le désir et la capacité de nous bénir, aussi bien de pourvoir à nos besoins. Dieu nous demande de l'honorer avec ce que nous possédons et de le mettre en premier afin qu'il puisse bénir le reste, ce qui reste de ce que nous possédons. Les disciples de Dieu peuvent donner leur témoignage sur le fait que Dieu accomplit ses promesses. Et ces merveilleuses promesses,
est pour notre bien. Aujourd'hui, rappelons-nous de Proverbe 3, alors que nous retournons nos dîmes et nos offrandes. Quand nous soutenons notre église locale, nous soutenons le travail de Dieu au niveau le plus important. Amen. Nous remercions Dieu pour sa présence. Nous allons passer. Nous invitons le diacre et la diaconesse à se rendre dans les rangs. Merci. Ton trésor, là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pour nous, quelle joie de savoir cela. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Bonjour les enfants, bonjour les grands, il y a des grands qui ont répondu aussi, c'est bien. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? En plus, c'était la dernière semaine avant les vacances, donc trop bien. Vous avez 15 jours pour vous reposer, pour faire des trucs sympas avec les parents, ouais. Et pourquoi? D'accord, pourquoi? Donc ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Donald. Alors Donald, on va dire qu'il a à peu près 10 ans, quelque chose comme ça. Et donc sa maman lui demande, Donald, est-ce que tu peux aller faire quelques courses s'il te plaît? Oui maman, il n'y a pas de problème. Donc elle lui donne de l'argent, elle lui donne un billet.
Et puis elle lui dit, ben écoute, voilà la liste des courses que tu dois faire. Et puis s'il reste de la monnaie, s'il reste un peu d'argent, ben, tu pourras passer chez le glacier te prendre une bonne glace. Alors Donald, il est super content. Alors elle lui dit, fais attention, hein, perds pas les sous. Hein. OK. Donc il prend l'argent, il prend un sac hein, pour mettre les courses et puis il s'en va. Et puis il passe devant la maison de son ami Milou, c'est son copain d'école, Milou. Et donc il appelle Milou, Milou, je dois aller faire des courses pour maman, est-ce que tu veux bien venir avec moi ? OK, lui dit Milou. Et puis il dit à Milou, maman, elle a dit que s'il reste de la monnaie, je pourrais même m'acheter une glace, donc je vais t'offrir aussi une glace. Alors Milou, il est super content, allez, viens, on y va. Donc ils vont au supermarché, ils prennent un caddie pour faire les courses, ils prennent la liste, et puis ils mettent dans le caddie tout ce qu'il y a écrit sur la liste. Donc je ne sais pas, moi, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a sur cette liste de courses ? Quand vous faites les courses avec les parents, vous prenez quoi ? Des tomates ? Des tomates, oui, très bien. Quoi d'autre ? Du lait ou de l'eau ? Très bien, du lait, de l'eau. Des œufs. Des œufs, parfait, voilà. Donc, ils prennent tout ça, ils font les courses, bon. Ils passent à la caisse, donc la caissière, elle compte. Voilà, ils payent, elle leur rend la monnaie et ils repartent avec les courses et la monnaie. Et comme il reste de la monnaie, qu'est-ce qu'elle avait dit, maman ? S'il reste de la monnaie... Ils vont avoir une glace. Voilà, ils vont pouvoir s'acheter une glace. Donc justement, il reste de la monnaie, donc ils sont super contents. Ils vont chez le glacier. Donc Donald choisit une glace. C'est quoi votre parfum préféré ? Moi, la vanille. Ah, la vanille. Ouais, moi aussi, j'aurais pris comme toi. Du chocolat ? Chocolat. À la fraise. Ou à la pistache. T'as beaucoup de goût, dis donc. Donc voilà, donc ils choisissent chacun leur glace, ils sont contents. Et puis, ils s'assoient sur un banc à côté de chez le glacier pour manger tout de suite la glace pour qu'elle ne fonde pas. Et puis Donald, il se dit, tiens, je vais regarder la monnaie qui me reste quand même. Et puis il compte une première fois. Il dit, c'est bizarre. Il recompte une deuxième fois. Il y a un truc qui ne va pas. Alors Milou, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu fais cette tête-là ? Alors il dit, je ne comprends pas parce que vu les courses qu'on a faites, les glaces qu'on a achetées, il me reste trop de monnaie. Je crois que la caissière s'est trompée quand elle l'a rendue la monnaie. Elle a rendu trop d'argent. Milou lui dit, oh là là, c'est trop bien. On va pouvoir s'acheter encore deux autres glaces alors. Alors Donald, il dit... non, parce qu'on n'aurait pas dû avoir cet argent-là. Et puis la caissière, peut-être qu'elle va se faire disputer par le gérant du supermarché qui va voir qu'elle s'est trompée. Elle aura des problèmes. Alors Milou, il lui dit, c'est tant pis pour elle. Hein. Elle n'avait qu'à savoir compter. C'est elle qui s'est trompée. Viens, on va s'acheter notre glace. Alors Donald, il dit, non, franchement, ça me gêne. Alors Milou, il insiste. Il dit, mais personne ne le saura. Alors Donald dit, si, Dieu le saura. Alors Milou lui dit, ouais, t'as raison, qu'est-ce qu'on fait ? Donald dit, allez, on retourne au supermarché, on va dire à la caissière, on va lui rendre l'argent en trop. Donc ils repartent tous les deux, ils arrivent donc au supermarché devant la caissière qui les voit. Les garçons, qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez oublié quelque chose ? Alors ils disent, non. Mais quand on a fait les courses, vous nous avez rendu la monnaie et vous avez rendu trop d'argent. Donc on vient vous rendre l'argent en trop. La caissière, elle est étonnée. Waouh, les garçons, mais qu'est-ce que vous êtes honnêtes ! C'est super d'avoir fait ça. Je vais appeler le gérant pour lui raconter. Donc le gérant arrive, elle raconte au gérant et lui pareil. Vous êtes super honnêtes, les garçons, vous êtes venus rendre l'argent en trop. Il dit, écoutez, je vais vous offrir une boîte pleine de glace. Alors les garçons disent, c'est très gentil, monsieur, mais on n'a pas fait ça pour ça. Nous, on voulait juste être honnête. On voulait faire ce qui est juste. Et le gérant insiste en disant, mais c'est bien, vous avez été honnête, vous avez été juste, mais moi, je tiens à vous récompenser pour ça, donc je vous offre une boîte de glace.
Et donc, les garçons sont repartis avec plein de glace. Alors, vous voyez, la morale de cette histoire, c'est que quand on est honnête, quand on est juste, quand on fait ce qui est bien, eh bien, on est récompensé. Et même si, quelquefois, on n'est pas récompensé pour ce qu'on a fait de bien, mais en tout cas, Dieu est content de voir qu'on a été honnête, qu'on a été juste, qu'on a fait quelque chose qui lui fait plaisir. Et nous, dans notre cœur aussi, on est content d'avoir été honnête et d'avoir plu à Dieu. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble pour demander à Dieu, dans toutes les situations, de nous aider à être honnête, juste et de faire ce qui lui plaît? OK? On va se mettre debout. Qui veut bien prier pour ça? Donc, tu te rappelles, on demande à Dieu de nous aider à être honnête, juste et de faire ce qui lui plaît. D'accord? On y va. On ferme les yeux. Seigneur, merci pour tout. J'aimerais bien savoir de nous à être honnête, juste. Et à faire ce qui me plaît. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Vous pouvez retourner à vos places. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je demande à l'Assemblée de se mettre debout pour la lecture de la parole du Seigneur. Nous lisons 1 Jean 3, verset 18. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Puisse le Seigneur, par l'influence de son Saint-Esprit, convertisse notre épargne de parole en acte bénéfique. C'est ma prière pour chacun de nous. Amen. Je vous salue fraternellement en Jésus. I greet you all in the name of Jesus. J'espère que vous allez bien depuis ce matin. I hope you are all doing fine. Alors aujourd'hui, on a un culte particulier parce que vous n'êtes pas sans savoir que parmi nous, il y a des anglophones. Et pour qu'ils soient pleinement à l'aise. And today we have a special gathering, and because we have in the middle of us some people who only speak English, so today we have here to say a word to them also. Donc Déborah fera la traduction pour eux. So I will translate for you guys who speak English. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Déborah, vraiment?
Vraiment, parce que Dieu a placé en chacun d'entre nous des dons et des talents. God give every one of us gifts and talents for His glory. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour sa présence dans notre Église. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, je vais vous donner une annonce. À la fin du culte, today before starting, I have a special announcement for you. Il n'y aura pas de salutation comme à l'accoutumée. There will be no greeting at the end of the church. Donc, on va vous demander de quitter la chapelle juste après le culte. We will ask you to leave the building just after the church. Parce que jusqu'après, à 13h, on aura le moment de louange et de prière. Because at 1 p.m., we have a special time to worship and pray. Et nous resterons dans l'atmosphère de révérence. And we will be reverent in this atmosphere. Donc, comme vous le savez, j'aime parcourir le texte biblique. Just like you know, I love to search the scriptures. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans un livre assez particulier. And today, I will take you with me into a special book in the Bible. C'est un livre qui parle d'une histoire d'amour. This book speaks of a love story. C'est un texte qui m'a poussé à réfléchir à l'amour inconditionnel. And this book led me to think about the indescribable love of God for us. Au-delà du péché. Beyond the sin. Il s'agit du livre d'Osée. It's the book of Hosea. Donc, on connaît très bien le verset 4 du chapitre 6. We all know the verse 4 of the chapter 6 who says. Voilà, je suis persuadée que tout le monde connaît Osée 6:4. Si je vous dis Osée 6:4. Mon peuple périt. My people die by lack of knowledge. Exactement. Et nous ne pouvons pas dire que nous manquons de connaissances. And we can't really say that we lack knowledge. Il n'y a aucun sujet qui n'ait été traité en prédication. There is none subject who no one preached about. Et pourtant, nevertheless, nos vies sont-elles transformées? Est-ce que nos vies sont transformées? Our life transformed. Je vous laisse répondre. I will let you, each of us, answer. Au cours du livre d'Osée, on découvre l'histoire. In the book of Hosea, we discover the story d'un couple atypique, of an atypical couple, confondu dans l'histoire d'amour, which is melted in the love story, entre Dieu et le peuple d'Israël. Between God and the people of Israel. Alors, Osée est un prophète. Hosea is a prophet. On ne connaît pas son âge. We don't know his age. Mais on sait qu'il est célibataire. But we know he is single. Et Dieu va lui faire une requête assez surprenante. And God will have a surprisingly request for him. Alors je vais lire du coup dans la version Parole de Vie. Je vous invite à prendre vos Bibles. We exhort you to take your Bible. Osée chapitre 1 verset 2. Hosea chapter 1 verse 2. Voici le début des paroles, donc je lis, et après Déborah va lire en anglais. Voici le début des paroles que le Seigneur a adressées à son peuple par l'intermédiaire d'Osée. Il a dit à Osée, va prendre une femme, pour femme, une prostituée sacrée. Les enfants qu'elles te donneront seront des enfants de prostituées. En effet, les gens de ce pays se prostituent en adorant d'autres dieux que moi, le Seigneur. So, Hosea chapter 1, verse 2. When the Lord began to speak by Hosea, the Lord said to Hosea, go take yourself a wife of harlotry and children of harlotry, for the land has committed great harlotry by departing from the Lord. Hosea s'exécute. So, Hosea did according to the word he received. Il va donc à la rencontre de cette femme. Dont on connaît le prénom. He went to meet this woman, which name we know. Elle s'appelle Gomer. Her name was Gomer. On ne sait pas ce qu'il lui dit, comment il lui fait la cour. We didn't know what he said to her or how he caught her. Mais elle l'épouse. But she accepts to marry him. Ils auront 3 enfants. They will have 3 children. Et vivront heureux jusqu'à la fin de leurs jours. And they live happily forever. Isn't that a good scenario? Fin de l'histoire.
That's the end of the story. C'est un beau scénario, n'est-ce pas? That's a good scenario. Mais on est loin des Disney, hein, là. Voilà. But, et l'histoire ne se déroule pas comme ça. But we are so, so, so far from Disney. And the story goes a different way. Yes. Grantin, une créature merveilleuse, se cache derrière son péché. A marvelous creature hidden behind his sin. Il est intéressant de noter qu'oser signifie en hébreu salut ou Dieu sauve. We have to know that Hosea means in Hebrew God save or salvation. Donc Hosea accepte la mission de Dieu. So Hosea accepts the request of the Lord. Une mission qui lui demande de sortir de sa zone de confort. A mission that asks from him to step out of his comfort zone. Et de faire alliance avec une femme idolâtre. And to make alliance with an idolatrous woman. Une femme qui vit dans le péché. A woman who is living in sin. Elle exerce une activité qui est similaire à la situation du peuple. She has an activity which describes the current situation of the people of God. Ils auront trois enfants. They will have three children. Deux garçons. Two boys. Une fille. And one girl. Dont les noms signifient. Which name means? Dieu répondra. God will answer. Celle dont on n'a pas pitié. The one we don't have pity on. Et celui qui n'est pas mon peuple. The one which is not my people. C'est quand même assez étrange. That's pretty strange. Et si on était en 2024, and I think if we were in 2024, j'imagine que les médias prendraient cette histoire. I think all the channels will take a hold of this story. Avec comme titre scandale dans l'église. With the title scandal in the church. Mais Hosea ne se soucie pas du qu'en dira-t-on. But Hosea didn't care about what people might say. Il voit en Gomer. He sees in Gomer le plan de Dieu. God's plan. Et par cette alliance, and by that alliance, il espère amener le peuple d'Israël. He hoped to bring back the people of Israel à la repentance, to repentance, en lui rappelant combien Dieu l'aime. By reminding him how much God loved them. Mais encore une fois, les choses ne se passent pas comme il espère. But once again, things didn't go the way he thinks. En effet, il n'y a aucun changement. There is no change. Ni dans le peuple. None in the people. Ni dans la vie de Gomer. None in the life of Gomer. Et pourtant, c'était son épouse. But she was her wife. Et même moi, je me suis dit, mais Seigneur, ils ont quand même eu trois enfants. Even me, I was surprised. They even had three children. Donc, si on imagine qu'elle a eu un enfant par an, if we speculate that they had one children per year, elle a quand même passé trois ans auprès d'un prophète. She spent three years together with a prophet. Mais on verra qu'au chapitre 3, but we will see in chapter 3, sa condition sera pire que quand elle a épousé Hosea. That her condition became worse than before she married a prophet. Effectivement, au chapitre 3, in chapter 3, Hosea apprend que sa femme, Hosea came to know that her wife est à vendre au marché d'esclaves. Is about to be sold at the slave market. Quelle honte! What a shame! Mère de famille, a mother, épouse de prophète, a prophet wife, réduite en esclave, who is reduced to slavery. Pourtant, sur la recommandation de Dieu, on God's command, il se rend au marché. He went to the market. Et rachète sa femme. And bought back her wife. Pour 15 pièces d'argent. For 15 pieces of silver. Et 15 et 600 litres d'orge, pardon. And 600 liters of barley. Et là, stop. And here and there, stop.
Je me suis posé mille et une questions en lisant ce livre. I asked myself one and 1,000 questions while reading this book. Que s'est-il passé ou qu'est-ce qu'il ne s'est pas passé? What happened or what didn't happen? Pour que cette femme se retrouve sur le marché d'esclaves. For this woman to be seen in at that slave market. Comment se fait-il? How did it happen? Que sa vie auprès d'Osée. That her love while she was with the prophet. N'ait produit aucun fruit. Didn't bear any good fruit. Est-ce qu'il a su l'aimer? Did he manage to love her? Est-ce qu'il n'était pas trop centré sur la mission que Dieu lui avait confiée? Wasn't he too mission-centered regarding to what God asked him to do? Est-ce qu'elle a même découvert Christ? Did she meet Christ? Je ne sais pas. I don't know. Le cœur d'Osée semblait quand même amer. Hosea's heart was bitter. Et au chapitre 3, Dieu lui parle. And in chapter 3, God speaks to him. Verset 1. Verse 1. Alors le Seigneur m'a dit, continue à aimer cette femme infidèle qui aime un autre homme. Aime-la comme moi, le Seigneur, j'aime les gens d'Israël. Pourtant, ils se tournent vers d'autres dieux et ils aiment les gâteaux de raisin. Verset 2. J'ai donc repris ma femme. Pour cela, j'ai payé 15 pièces d'argent et j'ai donné 600 litres d'orge, répondit-il. Hosea chapter 3, verse 1 and 2. Then the Lord said to me, go again, love a woman who is loved by a lover and is committing adultery just like the love of the Lord for the children of Israel, who look to other gods and love the raisin cake of the pagans. So I bought her back for myself for 15 shekels of silver and 1 1/2 omer of barley. Cette histoire me touche particulièrement. This story particularly touches me a lot. Parce que c'est la réalité de beaucoup. Because it's the reality of many of us. Beaucoup de couples sont désunis. Many couples nowadays are not united. Beaucoup de familles sont éclatées. Many families are broken. Et nous devons apprendre. And we have to learn à ne pas définir nos bien-aimés par leur péché. To not define our loved one by their sin. Il est temps de cesser. It is time to stop. C'est un menteur. To say he is a liar. C'est un trompeur. He is a cheater. C'est une toute. She toute. Voilà. Il est temps de voir qu'au-delà du péché, it's time to see that beyond the sin, il y a une créature merveilleuse. There is a marvelous creature. Osée, bien que prophète, Hosea, nevertheless, that despite the fact that he was a prophet, était un homme de la même nature que nous. He was a man of the same nature, just like us. Et on voit qu'il n'a pas su gagner le cœur de sa femme. And we see that he didn't manage to win his wife's heart. Durant les premières années de leur union. During the first years of their union. Mais grâce à l'intervention de Dieu, hallelujah. But thanks to God's intervention, hallelujah. Il la rachète de la malédiction. He redeemed her back from curse. Grand Dieu le rachat. Big two, the redemption. Alors je vais vous lire deux textes. Donc Éphésiens 1, 7. Et après, on va prendre Hébreux. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, verset 7. In him we have redemption. Through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12. Ce sont des textes vraiment qu'il faut stabiloter dans sa Bible. Quant à Christ,
Il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc ou de jeune taureau, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Amen. Hebrews 9, verse 11 and 12. But Christ came as a high priest of the good things to come, with greater and more perfect tabernacle not made with hands, that is not of his of this creation. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Alléluia! Qu'est-ce que le rachat? What is redemption? Selon le Larousse, according to Larousse, il s'agit de l'action d'acheter de nouveau. It's the act of buying again. Cela peut être également l'action de se racheter. It can also be the act of redeeming ourselves. Donc, d'être libéré. To be set free. Et en effet, enfin, pardon, ce mot désigne le fait pour une société d'acquérir des actions. Finally, that word means the action of a society to acquire shares. Constitutif de son propre capital social. Constituting its own capitals. Et dans la Bible, on a plusieurs exemples de rachat. C'est un mot qui parle, le rachat, notamment dans l'Ancien Testament. And in the Bible, we have many examples of redemption. And that word speaks a lot to us. Alors, si vous pouviez en citer qu'un, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, un exemple de rachat dans la Bible. Can anyone give us one example? Yes, Boaz. C'est l'exemple le plus connu, effectivement. Boaz is the most known example in the Bible. Voilà, on ne verra pas les autres exemples. Dans tous les textes, en tout cas, de rachat, ou dans tous les textes où il est fait mention de rachat, pardon, in all the scripture where it's mentioned redemption, un mot est mis en exergue. There is a word that is always highlighted. C'est le mot valeur. Value. Et dans Ésaïe 43, 4, nous lisons. And in the book of Isaiah 43, verse 4. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Des peuples en échange de ta vie. Et c'est Dieu qui parle. Isaiah 43, verse 4. Since you were precious in my sight, you have been honored and I have loved you. Therefore, I will give men for you and people for your life. Amen. Alors ce matin, j'ai des questions pour vous. This morning, I have questions for you. Quelle est la valeur de votre conjoint, conjointe à vos yeux? What is the value of your partner at in your sight? Je vois des sourires, je vois des rires. I can see some smiles. Il faudra, voilà, personnellement, vous pourrez mettre un pourcentage sur 100. Personally, you can give yourself a percentage on 100. Quelle est la valeur de vos enfants? What is the value of your children? Alors, certains diront oui, mais moi j'ai déjà tout fait pour racheter mon partenaire ou ma partenaire. Some will say I've done everything to redeem my partner. Mais à l'instar d'Osée, but just like Hosea, je te dirai, I would like to say to you, ton regard doit changer sur ton ou ta partenaire. The way you look at your partner must change. Parce que derrière son péché, because behind her sin, se cache une créature merveilleuse. Is hidden a marvelous creature. Prie que Dieu t'aide à l'aimer comme lui l'aime. Pray so that God can help you to love him, her, just like God loved him. Troisièmement, il est temps de le racheter, de la racheter de la malédiction. Thirdly, it's time to redeem them from the curse. En rappelant à Satan que ce n'est plus sa propriété. By reminding the devil that he is no longer the property. Et enfin, devient une sentinelle. And finally, become a sentinel. Et oui. Nous devons vraiment exercer le sanctuaire sur nos foyers. We really have to put the sanctuary to become a reality in our life, in our family. Ce n'est pas en critiquant ton partenaire
ta partenaire ou ton enfant que les choses vont changer. It's not by criticizing your partner, your children that things will change. Je ne sais pas ce que tu vis au quotidien. I don't know what you are going through daily. Mais Dieu sait. But God knows. Et il dit à Osée 3, verset 3. And he is saying to Hosea in chapter 3, verse 3. De récupérer celle qui lui a confiée. To go and take back the one he gave to her, to him. Après avoir récupéré Gomer, voici ce qu'Osée lui dit. After taking her wife Gomer back, that's what he said to him. Donc Osée 3. Je lui ai dit, tu resteras à la maison pendant longtemps. Tu ne te prostitueras plus, tu ne coucheras plus avec aucun homme, et moi-même, je ne coucherai plus avec toi. Gomer devait passer par la purification pour être transformée. Hosea 3, verse 3. And I said to her, you shall stay with me many days. You shall not play with the harlot, nor shall you have a man. So too will I be towards you. Il y a une puissance dans le sanctuaire. There is a power in the sanctuary. Sans purification, il n'y a pas de transformation. Without purification, there is no transformation. Et la purification doit être radicale. And the purification must be total. Ce n'est que par là que Gomer a pu connaître une transformation. It's only by that way that Gomer came to transformation. Grand 3, sois le gardien, la gardienne de ton ou ta partenaire. Three, be the keeper of your partner. Osée a failli dans sa mission. Hosea failed in his mission. Car il n'a pas gardé Gomer de la chute. Because he didn't kept Gomer from falling. Mais gloire soit rendue à Dieu. But glory be to God. Pour sa miséricorde et ses énièmes chances. For his mercy and his untamed chances. Il lui dit, continue à l'aimer comme moi je l'aime. He told him, continue to love her just like I do. Chère épouse, cher époux. Dear wife, dear husband. Chers parents. Dear parents. Faites attention à ne pas ternir. Be careful not to tarnish. L'image des membres de votre famille. Your family member images. Chère épouse. Dear spouses. Ne donne pas à ton mari l'occasion de regarder à droite ou à gauche. Don't give the opportunity to your man to look at his right or his left. Prends soin de ta parure extérieure. Take care of your external adornment. Aussi bien que ta parure intérieure. As well as your internal adornment. Et on le verra davantage avec Coralie cet après-midi. We will go deeper into detail with Coralie this afternoon. Cher époux. Dear husband. N'offre pas à ta femme la possibilité d'aller chercher du réconfort dehors. Don't give your wife opportunity to go look for comfort outside of your home. Soigne ta parure intérieure. Take care of your adornment. Car tu sais que les femmes aiment parler. Because you know women love to talk. Elle a besoin de s'exprimer. She needs to express herself. Et tu dois l'écouter. And you have to listen. Maman, papa. Mom, dad. Ton enfant recherche un modèle. Your child is looking for a pattern. Donc soigne ta parure intérieure et extérieure. So you need to take care of your external and internal adornment. Être gardien ou gardienne de son entourage, c'est garder son cœur. Being the keeper of your surrounding means to keep your heart. Tout témoignage fera la différence. Every testimony will make the difference. Un bon témoignage porte de bons fruits. A good testimony bears good fruit. Et un mauvais témoignage détruit. And a bad one destroys. Et personne, même pas Dieu, and no one, not even God, ne peut récupérer can redeem une personne qui a été perdue par un enfant de Dieu. Someone who was lost by a child of God. Pourquoi? Why? Parce qu'il associe Dieu à ton comportement. Because he will make an association between your behavior and God. Et du coup, l'image de Dieu est ternie. So then the God image is tarnished. En rentrant de l'église, while coming back from church, ceux qui sont restés à la maison,
The one that stay at home. Ils attendent de voir comment Dieu nous a transformés. They are waiting to see how God changed us. Tu rentres de l'église. You are coming back from church. Est-ce que tu es épanoui? Are you fulfilled? Ou est-ce que tu es contrarié? Or are you frustrated? Est-ce que tu brilles? Are you shining? Ou est-ce que tu te plains? Or are you complaining? Qu'est-ce que tu ramènes à la maison? What are you bringing home? C'est très important. That's very crucial. Alors, l'histoire d'Osée et de Gomer. Osée and Gomer's story est riche d'enseignements. It's full of teachings and lessons. Et je vous recommande vraiment la lecture de ce livre. And I really exhort you to go and read that book for yourself. Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être à un carrefour. Today you might be at a crosspoint. Et vous ne savez pas quelle direction prendre. And you don't know which way to go. Mais si Dieu, dans sa bonté infinie, but if God in his infinite mercy n'avait pas interpellé Osée pour qu'il récupère Gomer, didn't call Hosea to go and take her wife back. On ne sait pas ce qu'elle serait devenue. We don't know what may have come to her. Dieu nous laisse toujours le choix. God always gives us choices. Mais il nous a confié une mission pour notre famille. But he also gives us a mission for our families. Et Osée termine son livre. And Hosea ends his book by saying. Ainsi, au verset 9 du chapitre 14. Chapter 15, verse 9. Celui qui a de la sagesse comprendra tout ce qui vient d'être dit. Celui qui est intelligent en connaîtra le sens. Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Ceux qui lui obéissent marcheront dessus, mais ceux qui s'opposent à lui perdront l'équilibre. Hosea 14, verse 9. Who is wise? Let him understand these things. Who is prudent? Let him know them. For the ways of the Lord are right. The righteous walk in them, but transgressors stumble in them. Amen. Nos familles sont confrontées à des défis. Our family faces many challenges. Mais Dieu a la réponse. But God have the answer. Et nous allons prier ensemble. And we will pray together. De 13h à 15h. From 1 p.m. till 3 p.m. Nous allons intercéder pour les familles. We will intercede for our families. Nous allons intercéder pour les personnes seules. We will intercede for single people. Nous allons intercéder pour nos enfants. We will pray for our children. Que l'Éternel vous bénisse. May God bless you all. Alors, comme évoqué tout à l'heure, le culte se termine. On vous demandera donc de quitter la chapelle. Il n'y aura pas de salutation exceptionnellement aujourd'hui. Just like said in the beginning, there will be no greeting at the end, and we all exhort you to leave the building as soon as we are done. Amen. Nous allons prendre ensemble ce chant qui illustre bien le message que nous avons reçu aujourd'hui, bien sûr, et nous allons évidemment nous lever pour chanter ce chant. Pardon. Il n'est peut-être pas connu, je ne sais pas, mais je suis sûre que vous allez pouvoir le chanter avec nous. En toi, je sais qui je suis. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour. Je suis enfant de Dieu.
acheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis. Il m'a libéré, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il y a de la place pour tout le monde. In the sanctuary, there is place for everyone. Et nous allons terminer ce culte par une courte prière. And we are about to pray. Merci Seigneur. Thank you, God. De nous avoir parlé ce matin. For speaking to us this morning. Je crois, Père, I believe que tu as amené une révélation. That you brought a revelation dans le cœur de plusieurs. In the heart of many of us. Et je prie que ton Saint-Esprit and I pray that your Holy Spirit poursuive son œuvre au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Tous ceux qui veulent prier de 13h à 15h sont invités à rester. Anyone that who want to join us in prayer can stay with us. Amen.
Il ne faut pas partir sans la bénédiction. Okay. Nous te bénissons, tendre Père Céleste, de nous permettre de nous retrouver toutes nos titres en toi. Merci Seigneur d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Que l'Éternel tourne sa face sur nous et que dans sa réalité, nous devenons semblables à Jésus. Amen. Allez en paix et que l'Éternel nous bénisse tous. Amen. Amen. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Oui, nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Nous déclarons. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Et prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute
toute la place. Viens régner, Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner, Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner, Seigneur, fais ce que tu veux. Oui, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place. Prends toute la place. Oui, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Oui, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Oui, prends toute la place. Prends la place. Prends toute la place, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends toute la place, prends la place, Jésus. Prends la place qu'il te faut. Prends la place, prends toute la place. Prends toute la place, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place.